Bonsoir, bonne nuit. Vous écoutez Écho dans la nuit, l'émission de littérature, de déclamation sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro. Ce soir, cette nuit, je vais consacrer l'émission à un jeu de rôle grandeur nature du nom de Arcane. Donc, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui se joue donc en grandeur nature, c'est-à-dire avec des déguisements, des masques et tout le Bataclan, qui a commencé il y a 20 ans et à prix terme il y a 10 ans. Et suite à une soirée de commémoration, de retrouvailles des 10 ans des joueurs et organisateurs de ce jeu de rôle médiéval fantastique, souvent imité, encore jamais égalé, je vais lire, donc c'est dans le cadre de cette émission, des textes provenant de la mythologie d'Arcane, dont vous pouvez retrouver les originaux sur le site garou.org, G-A-R-O-U.org, dans la section Arcane. Vous pouvez également réagir à cette émission et suggérer des textes pour la prochaine émission sur la page Facebook, en tapant dans le champ de recherche Facebook Écho dans la nuit, au pluriel, ou en entrant dans la barre d'adresse facebook.com/écho dans la nuit, en un mot. Je vais commencer par situer le monde dans lequel, le monde imaginaire, le monde de rêve dans lequel se déroulait Arcane, en lisant la Genèse de Soluna Ternis. Avant le premier cataclysme, les Elohim sont la seule race humanoïde réellement intelligente sur la planète. Ils possèdent des pouvoirs psy, ainsi que la science du cristal qui leur permet de décupler des pouvoirs. Premier cataclysme. La lune la plus proche et la plus massive s'effondre sur Solune, provoquant un énorme cataclysme. La géographie s'en trouve modifiée. L'axe de rotation de la planète bascule légèrement, suffisamment néanmoins pour provoquer des bouleversements de climat phénoménaux. Mais surtout, la gravité change considérablement, ce qui provoque moult catastrophes dans la faune et la flore. Les Elohim, êtres supra-intelligents, sont très affectés psychologiquement par les événements. Tous perdent beaucoup de leur pouvoir psy. Circa 2000 après le premier cataclysme, émergence de la race humaine, surtout en tribu nomade sans attache réelle, les hommes sont à l'aube de leur évolution. Les premières apparitions de magie prennent forme avec les chamans, invocateurs d'esprits de leurs héros morts pour aider la tribu. Circa 3000 post-premier cataclysme, sédentarisation de certains peuples qui découvrent les secrets de l'agriculture. Les religions sont surtout basées sur des phénomènes naturels. Circa 3800 post-premier cataclysme, fondation de la première ville de l'histoire, Zigny. Apparition de l'écriture qui remplace les dessins kabbalistiques. La magie a aussi subi une lente évolution. Les chamans commencent à coucher sur papier les rituels dont ils font usage pour invoquer les esprits. La magie chamanique est de plus en plus considérée comme science et prend un nouveau nom, la sorcellerie, ou l'art d'invoquer des entités d'autres mondes. Les sorciers restent rarissimes, de sorte que ce savoir n'est que très peu transmis. Plus ou moins 4500 post-premier cataclysme. Les villes se sont multipliées et le savoir s'accumule.
Lentement, les sorciers découvrent de nouveaux pouvoirs appris par les esprits qu'ils invoquent. Certains esprits sont tellement puissants et subjuguent tellement les invocateurs que ceux-ci dédient leur vie et leurs âmes, en échange de quoi ces entités leur accordent certains pouvoirs curateurs. Ce sont les premiers êtres à réel pouvoir venant d'un dieu. Les sorciers, qui ne sont pas voués à l'adoration des esprits, continuent, au prix d'une constante lutte de volonté et de domination, à soutirer pouvoirs et connaissances. Plusieurs disciplines arcaniques voient le jour. L'enchantement, la nécromancie, l'élémentalisme. Plus ou moins 5500 post-premier cataclysme. Les cultes naturels sont progressivement remplacés par les cultes déiques. Seuls quelques peuples errants conservent leurs chamans. La magie naturelle sombre peu à peu dans l'oubli. Les prêtres, de par leur pouvoir bienfaisant, s'attirent la sympathie du peuple. Il en résulte une montée de pouvoir à caractère religieux. Sorciers et prêtres tirant leur pouvoir d'une même source, certains usent des deux dérivés. Circa 6000 post-premier cataclysme. La dynastie des rois-dieux est bien implantée. Les souverains sont tous de grands sorciers ou prêtres au pouvoir incommensurable. 7283 post-premier cataclysme. Naissance d'Irangael, le futur roi-dieu à l'origine du deuxième cataclysme. Très tôt initié à la sorcellerie, il s'avérera être le plus grand sorcier de son temps, grâce à Umat. Ce prince démon lui enseignera énormément jusqu'à la leçon ultime, la sublimation du corps physique. ...7347 post-premier cataclysme. Grande fureur des dieux, qui ne supporte pas le court-circuit dans l'évolution de l'homme provoqué par Umat et Irangael. Tous les prêtres en phase avec leur dieu meurent dans d'atroces souffrances. Un énorme tremblement de terre secoue Terranis à nouveau. De 0 à 400 post-second cataclysme. Grande régression de l'évolution des hommes. Pendant les siècles qui suivent, les hommes réapprennent très lentement ce qu'ils avaient oublié. Ils sont revenus au stade de tribu. Vers la fin de cette période, ils commencent à se sédentariser. La magie chamanique a repris ses droits. 500 post-second cataclysme, nombreuses guerres tribales, conquêtes, les tribus commercent entre elles. 600 post-second cataclysme, Irangael va contacter sous forme d'esprit les différents chamans. Il va leur demander d'inculquer les bases de leur art à des élus qu'il a lui-même ressentis comme doués. Les chamans devront les former, puis ces élus seront promus à autre chose. Irangael a fait cela dans diverses contrées, et après une quinzaine d'années, les élus se rassemblent en un lieu où Irangael s'occupe de leur apprentissage. Il va régulièrement amener des élus, et ce durant 250 ans. Au sein de cette Mecque, les élus se formeront entre eux. Jusqu'en 850. Irangael a dans différents endroits initié certains hommes à la nécromancie, et ce vers les années 800. Cependant, ayant appris cet art d'Umat, il sent qu'il le maîtrise mal et qu'il peut être néfaste. Il va donc cacher l'existence de cette discipline à ses élus. La guilde ne saura donc pas que la nécromancie provient, elle aussi, d'Irangael. Cela explique pourquoi les nécromanciens n'ont pas les mêmes sorts de base que les magiciens. Les humains ont continué à évoluer. Les diverses peuplades sont entrées en guerre et vers 850, une civilisation prédomine sur les autres, les Kalinéens. C'est dans celle-ci qu'Irangael va décider d'envoyer trois de ses disciples. Ceux-ci vont proposer aux dirigeants de cette civilisation de l'aider à se répandre.
Ils vont lui montrer leurs différents pouvoirs et vont le convaincre de faire appel à eux et à plusieurs de leurs camarades. Après une petite bataille de démonstration au cours de laquelle l'aide des trois mages va s'avérer décisive, le souverain va finalement accepter leur proposition et d'autres magiciens vont pouvoir arriver dans ces contrées et aider aux conquêtes. C'est ainsi que cette civilisation va peu à peu se développer et va conquérir les autres peuples pour former un grand empire. Lors de chaque conquête, trois magiciens, à chaque fois un représentant de chaque école, seront envoyés dans un poste avancé afin de continuer à servir de relais de lieu de formation. Ainsi se crée un immense réseau d'informations qui sera connu plus tard sous le nom de guilde. Les anciens élus se voient donc confier à tour de rôle la responsabilité, soit d'un poste avancé, soit d'une petite école de magie au sein de la capitale. Ainsi, plus personne ne réside aujourd'hui dans cette Mecque, et seule une légende prétend que l'archimage y réside toujours, et qu'il peut y apparaître à qui mérite de le rencontrer. Fin 900, post-second cataclysme. La guilde commence à obtenir de plus en plus d'importance et est un élément important du pouvoir politique. Elle tire de nombreuses ficelles et devient indispensable. Certaines rumeurs circulent comme quoi de nombreux mouvements inconnus se passent dans les régions frontalières au nord. Circa 1000 post-second cataclysme. Des gens se présentant dans diverses écoles de magie en souhaitant un enseignement, apparaissent à la guilde comme étant en possession de divers autres pouvoirs. C'est ainsi que les nécromanciens sont découverts et tentent de faire accepter leur art par la guilde. Celle-ci leur refuse un statut établi et la nécromancie n'est pas reconnue, voire même peu souhaitée, jusqu'au jour où Umat décide d'attaquer. 1178, post-second cataclysme. Umat, avec l'aide de ses créatures mutantes et de ses prêtres sorciers, décida d'envahir ses territoires. Au fur et à mesure du combat, les prêtres sorciers relevèrent les morts et le commandèrent. Face à cela, la guilde ne pouvait rien, et c'est là que les nécromanciens ont pu montrer leur utilité et leur pouvoir. Depuis, la nécromancie a cessé d'être un art dénigré et a été reconnue par la guilde. Cependant, le peuple ne va pas l'accepter de façon aussi rapide que la guilde ne le fait. Certains remous et des manifestations de crainte et de désaccord se font sentir au sein de plusieurs régions. 1253. Un roi meurt sans descendant. La guilde décide de prendre le pouvoir et crée ainsi la magiocratie. Le peuple, habitué à avoir à sa tête un homme pratiquant le métier des armes et non la magie, n'accueille pas cet avènement avec enthousiasme, d'autant plus qu'au sein de la guilde se trouvent à présent ces fameux nécromanciens, tant craints et haïs par le peuple. Dans certaines contrées, les oppositions se font fortes, des régions se déclarent indépendantes, des centres de la guilde se font piller. Mais celle-ci va réagir de façon rapide et appropriée. Ce fut les 28 ans de terreur, au cours desquels la guilde pourchassa les insurgés. À cette époque, la guilde créa un corps d'élite à son service, destiné à protéger ses membres de façon plus rapprochée. Cette devise, l'épée au service de l'esprit. Finalement, la guilde reprend la situation en main et calme quelque peu les appréhensions du peuple concernant la nécromancie en tolérant celle-ci, mais en la gardant fortement sous contrôle. Circa 1300 post-second cataclysme. La guilde se rend compte que de plus en plus de magiciens s'adonnent à la sorcellerie. Elle crée pour les pourchasser et les éliminer une organisation secrète, la cinquième phalange ou phalange pourpre. Depuis, la cinquième phalange a éliminé ou du moins calmé bon nombre de sorciers et son utilité actuelle est principalement de gérer les petits conflits internes à la magiocratie.
1603. Aujourd'hui, les frontières sont à nouveau de plus en plus assaillies par des êtres mutants. Plusieurs expéditions envoyées vers le nord ne sont jamais revenues. La magiocratie, désirant étendre son pouvoir et son influence, envoie une expédition vers le nord. Ode à la grâce. On raconte que ce poème fut déclamé par le chante-roi de 1603 lors des joutes d'une grâce. Il est aussi dit que, selon la rumeur, le chante-roi n'était pas l'auteur de ces vers. On le devrait à un obscur barde des flûtes d'Élias. Ce barde se serait fait remarquer lorsque, empoignant une épée, celle-ci se mit à chanter d'une voix splendide. Malheureusement, il ne nous reste que peu de témoignages crédibles vérifiant ces événements. Ô muse des ardents, fée des amants, elle puise dans mes sens, liqueur du temps, le velours de son souffle ceint nos âmes, telle l'eau cristalline d'un bassin calme. La crête royale de sa fière effigie virevolte au vent pour que dans d'infinis moments l'on se souvienne de ce qui fut l'heure de cette gloire d'antan, de cette tragédie régalienne qui fut sienne. Que bruisse le feuillage de sa crinière de rapace et que ses spirales d'amour nous enlacent. Les raies flamboyants de ses yeux perçants transpercent d'envie nos cœurs soupirants. Ô muse, oui muse, murmure-moi tes secrets. Enchante ma vie de ta douce voix insouciante. Ravage mon cœur d'une passion flamboyante. Et mêle ma mémoire à ton plus somptueux attrait. Celui qui avait toujours froid. Il arriva à Eorl par une chaude soirée de la lune de l'elfe, alors que les gens prenaient leurs aises, en bras de chemise, sur les chaises et les bancs tirés devant leurs portes, dans la nuit qui les mastiquait avec son noir amolli. Il vint de la direction de Liostaran, celle du cimetière. On le vit passer au beau milieu de la rue et chacun crut sincèrement le rêver, tant il paraissait léger, semblable à un vêtement creux, braise et veste rapinée par le vent sur une corde asséchée et emportée droite tel un homme vide. Aucun de ses pas ne claquait,
à vrai dire, de sa marche raide et saccadée. On n'entendait rien, à lui croire des sabots de feutre. Pas un os ne lui craquait alors qu'il montrait une silhouette de vieillard en bout d'usure dont la carcasse, qui a pris du jeu, gratte ou coince. On se questionna de porte à porte, savoir si quelqu'un le connaissait. Non, cette allure de mécanique muette ne ressemblait à aucune des façons d'aller des vieux, de Eorl, ou d'ailleurs des environs. Un curieux interpella. Il ne tourna la tête ni ne répondit, comme s'il ne passait pas là. Un gamin méchant lui jeta une pierre. Il dut la recevoir, mais fit comme si ne rien n'était, tel un insensible. On le hua encore pour voir si à tous on pouvait l'impressionner. Il continua indifférent. Alors, devinant les pires, une bonne femme superstitieuse fit vite rentrer ses enfants et referma sa porte à clé. Les hautes paroles de tous devinrent une houle de murmures inquiets. Ainsi fut-il accueilli et tout de suite ombré de mystère. Mais il savait où aller, puisqu'il trouva l'auberge sans le demander. Bien sûr, ceux qui, dans l'auberge, buvaient cidre et fumée, ne lui prêtèrent d'abord aucune attention. Il s'assit dans un coin de la cheminée, face à l'âtre, où étaient des bûches empilées, heureusement sans flamme, car le moite de l'été étouffait la salle. Mais il se pencha vers elle, se tendant raide, comme pour s'y chauffer et se déglacer le corps et les mains. Là, on le regarda avec ébahissement. Lui avait l'air de ne se soucier de personne au monde. On remarqua qu'il était revêtu de plusieurs vestes superposées qui ne le grossissaient pas pour autant. Celle du dessus, d'une mode ancienne et périmée, était au moins vieille d'un siècle, avec des trous recousus et pas mal de moisissures çà et là. De la terre aussi sur le dos, le train et partout où le corps se pose pour se reposer. On comprit qu'il dormait sans lit. Quant à son physique, il était rien moins qu'os et peau. Son visage frappait tel un cauchemar, car ses lèvres minces, écartées et comme soudées aux gencives, laissaient voir toute sa dentition, ou du moins ce qu'il en restait, une dent sur trois. Les tendons de sa mâchoire crispée lui faisaient des rides en relief. Ses doigts étaient semblables à deux petits bouquets de roseaux secs. Quant au reste d'homme, il devait être terrible à voir nu. Il tendait les bras à croire vraiment qu'il y avait là un feu vif et se laissait grelotter de partout. La petite servante alla lui demander ce qu'il désirait boire ou manger. Aussitôt qu'elle eut vu de près sa peau cireuse et ses yeux déteintés, tels des billes laissées à la pourriture de toutes les pluies. Elle se mit à trembler à son tour, mais d'un subit coup d'émotion. Il ne chercha pas à la rassurer. Il tourna seulement un rien la tête vers la proche étagère aux alcools et lui montra du menton une bouteille à l'écart, migorlée de cerises qui suaient leur goût dans l'eau de vie. Encore toute palichotte de ce qu'elle venait de voir, la servante revint poser le verre à côté du vieux, puis s'éloigna de lui si vite que, de loin, tous crurent qu'il menaçait de lui pincer le cotillon, ce qui les rassura un bref instant. On le vit alors plier un de ses bras rouillés, prendre le verre, le lever dans un mouvement d'automate et, oup, le vider d'un trait sans ouvrir plus les lèvres, ni faire tressauter de plaisir sa pomme d'Adam qui resta immobile. Tout en buvant, il n'avait cessé de grelotter. Et après, il grelotta, de plus belle, à croire qu'on lui avait servi de la glace. Enfin, il mit une main dans sa poche,
geste de payer que la servante refusa en faisant vigoureusement non de la tête. Il eut une sorte d'étonnement figé, mais ne remercie pas. Il se leva, traversa la salle sans laisser un seul bruit et sortit sans plus bonjourer la compagnie qu'il ne l'avait faite en entrant. Alors la servante affirma tout haut avoir vu un mort revenu et qu'à une âme en peine on ne demande jamais le moindre sou, sinon l'accepter serait acquiescer de le rejoindre sous peu. Ce qui m'a le plus retourné, avoua-t-elle ensuite, en écrasant une larme d'après peur, c'est les petits trous que les vers de cimetière ont fait partout dans le cuir de son visage desséché. Quelqu'un au nez fin renifla l'air et fit un tel poids que tous humèrent à leur tour cette puanteur de résine fétide qui est notre parfum d'après-vie. Bien sûr, on ne le revit pas de la journée du lendemain. Il ne serait jamais risqué au jour. Et le soir, à la même heure, il revint au village, toujours par la route du cimetière. Mais il n'y avait plus personne dehors à s'aérer et à badauder la nuit. Il entra à l'auberge comme chez lui, s'assit au même endroit que la veille et grelottant, fit mine de se chauffer aux bûches éteintes. Il ne cherchait pas à cacher son dos moisi par le fond de son cercueil. Et à bien juger de la forme de sa veste à ruban, les courageux vivants qui étaient là pensèrent que ce devait être un défunt en peine depuis au moins les années d'effroi. La servante s'était enfouie dès son arrivée. Avertie, la patronne remplit, en tremblant, de tous ses doigts un plein bol de cerises, qu'elle prit le risque d'aller déposer, encouragée par tous les clients anxieux, à côté du revenu. Une fois qu'il l'eut vidée, sans être grasse à cela réchauffée, il montra qu'il voulait payer. L'aubergiste lui refusa de loin avec un geste de répugnance à l'argent qui dut lui coûter, elle qui n'avait de goût que pour ce métal-là. Il sortit avec, pour la première fois sur le visage, une grimace victorieuse et narquoise envers la société. Personne n'en prit ombrage et chacun admit que, chez les morts, c'était la façon de se montrer heureux. L'auberge y perdit encore une fois deux lunes. Le prêtre de Luxos, prévenu, mit le surplis et l'étole des grands événements et marmonna sans tarder des prières par bottes de 12 jusqu'à plus souffle, pour le salut des âmes en peine. Mais la terreur rentra dans chaque famille, attisée par les incessantes histoires de revenants que les aïeuls racontaient en les aggravant de témoignages personnels. Quelqu'un parla de grignoteurs de chair humaine, un autre de charognards d'âmes fraîches. Bref, dès la tombée du jour, les vivants s'enterraient comme des morts. Il continuait à revenir chaque soir à l'auberge, où il trouvait toujours une pleine bouteille d'eau-de-vie, avec sa poignée de cerises dedans, sans jamais une de moins. Elle attendait au coin du feu, allumée et gaillard en chaleur, mais il grelottait toujours. Le froid des morts ne voulait pas quitter son faux semblant d'homme encore sur terre. Maintenant, on lui laissait la salle pour lui seul. L'Iostaran lui appartenait en entier. Il aurait pu demander la lune, on aurait tout mis en œuvre pour la lui faire dégringoler du ciel. Mais les hommes sont les hommes. Le plus hardi en gueule parla de paix nocturne. Les autres l'écoutèrent et la voulurent à nouveau. « Chacun chez soi, proclama-t-il. » Et sans doute cria-t-il « Mort aux morts !» car on décida de faire comme ça. Ceux qui d'habitude ne ressentaient du courage se joignirent à ceux qui en éprouvaient, et tous, pour une fois d'accord, décidèrent de montrer à ce mort-là qu'ils en avaient assez d'entendre par sa faute leurs enfants crier de peur toute la nuit, et leurs femmes glousser d'angoisse au lit, ce qui les entraînait à en faire autant. Et puis, de laisser aller celui-là à sa guise, n'était-ce pas encourager les autres à sortir de tombe à leur tour? Qui savait? Cela pouvait se dire dans les cimetières et d'ailleurs jusqu'à Xanter et Galbac, plus loin encore peut-être. Alors, il ne manquerait plus que des milliers de défunts reviennent parader dans la rue du village, déjà si étroite pour les vivants, et vide à l'auberge. Et chez les gens, toutes les réserves d'eau de vie de cerise, afin de chercher à se réchauffer. Certes, on ne pouvait pas tuer celui qui venait, puisqu'il était déjà mort,
mais en frappant sec, on pouvait le décourager et lui faire comprendre de ne plus revenir là. Le soir décidé, on le laissa aller à l'auberge où il trouva et but son contenant d'alcool préféré. On lui en déposa même le double afin qu'après coup, il comprenne qu'on ne lui reprochait pas la boisson mais sa présence. Seulement, une fois ressorti, 10 hommes le suivirent de loin, se rapprochant peu à peu afin de le rattraper après la dernière maison et avant qu'il ne s'efface dans le mur du cimetière. Le mort faisait celui qui ne se doutait de rien, mais il saccadait de plus en plus rapidement sa charpente d'os creux afin d'aller vite cuver là-bas sa griserie dérobée à ceux qui respirent. À l'oreille des champs, 200 mètres avant le cimetière, le plus hardi des justiciers poussa un tel cri d'attaque, à la fois si bruyant de désir et si noué de retenue qu'il aurait dû alerter le mort. Mais celui-ci ne se retourna pas, tant il était pourri d'oreille. En rien de temps, voilà les 10 hommes qui abattent leur trique rude. Qui sur la tête, qui sur les chines, qui sur les bras et partout sur le vieux cadavre tombé à terre au premier coup. Il ne partit pas en poussière, ni ne disparut en rien. Non, il s'écroula, geignant, soudain sensible à la douleur, tel un vivant. Alors s'arrêtant net, tous l'écoutèrent, bouleversés à manquer de souffle. Pourquoi ? Gémissait, grelottait le vieux vagabond, ce sourd et muet, froid des humains à force d'être rejeté depuis toujours de chaque village de Moldaer, à cause de la peur que son allure macabre faisait aux enfants, et de sa chronique puanteur de jamais laver, état contre lequel il ne pouvait rien, puisque c'était sa façon d'être. Pourquoi ? Pleurnichait-il, se grelottait-il sous les giclées de son sang qui se perdait par son crâne quasi fendu sur son visage à présent horrible d'une barbe de vie. Mais, éperdu d'incompréhension, il ne s'apercevait peut-être pas de sa soudaine voix miraculée qui sortait enfin neuve de sa gorge, tout juste remise en place par les chocs et la souffrance. Pourquoi ? Les meurtriers, du bon droit, auraient donné leur vie pour devenir sourds à leur tour, ne plus entendre l'imploration de ce vieux traînard, qui, n'ayant jamais été nulle part chez lui, avait enfin trouvé chez eux un généreux accueil de charité, au point d'obtenir gratuitement bouteille ouverte à l'auberge. Ce qu'il n'aurait même pas osé rêver avant. Pourquoi ? Répétait-il faiblement, ne comprenant pas lui sans malice, pris pour un de ceux d'en dessous, tant il n'appartenait déjà plus, d'allure et de contact, à l'humanité vivante. Pourquoi ? Et pour de bon, il se joignit aux âmes des défunts. Alcandre de Siolet. Le poème d'Elendil. Il était un temps où le fer avait noblesse
et cœur d'eux-mêmes, seuls les grands connaissaient alors le secret de leur naissance, et de ce secret parfois ils usèrent. En ces temps-là, grande guerre était menée sur les sombres, de vastes armées s'affrontaient, mêlant à l'acier et le sang. Et les grands en étaient peinés. Or ça, un jour le ciel assombri pleurait sur les morts, ils se mirent à construire. La première était Drinduil, de fer et de feu. Elle était la victoire de la force. De son éclat sortait la colère, et de son feu la peur. La seconde était Linuil, de fer et de savoir. Elle était la puissance du dit, de sa lumière naquit l'art, et de ses mots la mort. La troisième était Galanuil, de fer et de beauté. Elle était le cœur du juste, de sa noblesse sortit le courage et de sa grâce la volonté. Enfin fut Elendil, de fer et de musique, elle chantait la victoire. Elle fut donnée aux enfants d'Elias, qui menèrent les troupes à la gloire. Par leur présence, le pas fut régulier et des vers bien chantés. De cette légende, l'on ne compte que les quatre, mais du premier l'on semble oublier que l'invisible protecteur veille sur chacune et que de bataille, il y en aura plus d'une. Danaoué Ferengorn, flûte d'Elias. Extrait de Tarmel Saga. Écoutez, homme libre, enfant de Tarmel, la voix des ancêtres et la voix du sang. Elle compte les jours où le danger mortel apporta l'affranchissement exaltant. Toi qui l'entends, clame haut et fort à tes frères ce que le chant de la terre dit tout bas. Garde l'épée à la main et l'œil ouvert, car la liberté vaut 100 000 combats. En ce temps-là, nous étions grands et fiers, élevant nos bêtes, labourant nos champs. Notre volonté était faite de fer, comme l'était notre esprit triomphant. Avec nos glaives, nous défendions nos terres, avec nos charrues, nous les cultivions. La famille, la vie simple ou grand air, faisait de nous une des plus grandes nations. Chaque lignée avait sa résidence, son héros, sa culture, sa tradition. Et c'est au champ qu'elle mettait en semence qu'une famille devait s'affirmer son nom. À Zern régnait la côte, à Stil la nef. Le chardeau fleurissait à Picades. Yechal était au vigneron Xerxes et Raguntos au charpentier Cyprès. Nos familles se réunissaient en clans, les clans en tribus, les tribus en maisons, et chaque maison avait ses nobles dirigeants, ses druides sages, ses calabrères de renom. Quand le roi Forvan demanda la guerre, Lost le Ban et tout homme digne de ce nom, nous partîmes de fer et de mailles couverts, donner des coups, des beignes et des orions. Noire fut la bataille et noire fut la guerre. Avec des armes de lâches et d'initiés, l'ennemi apporta mort et misère. Que peut faire l'homme avec son glaive d'acier pour chaque héros dont l'exploit est chanté? 1000 preux seront oubliés sans hommage.
mais pour quelques bellâtres parfumés, les louanges vont à la tour de jade. Forvan mourut inconquis et invaincu d'un troupeau. Il avait fait une nation. Médaran perçut son tribut de la reine. Personne ne le quitta le giro. Alors commença la danse des couteaux, le réal des dagues, la saltarelle des poisons. Les vainqueurs n'étaient ni grands, ni forts, ni beaux. L'amour chanta sans rime ni raison. Alors des crocs de pierre bavaracide, qui brûla et chair et fer et corruption, princes des feux de la terre saponide, glissèrent un à un vers l'oblivion. Quand le parfumé la chasse sbire et saisit le bâton de hêtre, de mal, le temps devint pire quand il s'assit sur le trône de fer. Armaric, le maudit, se mit sous sa lame. Par une nuit sans lune, il régna de sa terre, il but le sang et des enfants en larmes sous sa botte et de sable pleura. Toutes les familles écrivirent son nom et le levèrent le poing au ciel. La haine s'est transmise comme un brandon et le feu brûla dans l'œil de Tarmel. Les cabarets pointèrent droit et le métal pénétra dans le cou. Nous étions 1 contre 53, mais nous rendions coup pour coup. De l'aube rouge à l'aube rouge, nous leur avons limé les crocs. Dans le tonnerre du bove farouche, Armaric devint brûlot. Mais les loups se joignirent au carnage. Là où le folk avait péri, de la guerre ils prirent l'avantage, étendirent le sueur blanc sur la grande plaine orange. Mordus, blessés, sous le fer des chevaux, les cabarets tendirent le manche ou périrent sous le couteau. La mort d'Abel le Ganjar. Soudain, sortant du couvert de la sapinière, ils apparurent. Le tambour les avait quelque peu précédés, mais il espérait, le cœur battant à tout rompre, qu'il ne s'agirait que d'une poignée d'orques en manque de bataille. Le stratège s'avança comme on peut s'avancer lorsqu'une armée vous suit et sa fierté, sa joie d'avoir pu pénétrer le secret, ne trouvait d'égal que dans le sentiment de trahison qui envahit les colons. La porte était restée ouverte et il pensa qu'un traître s'était glissé parmi eux. Il n'eut pas le temps de s'interroger car ce qui sortit ensuite de l'obscurité en pétrifia bon nombre d'effroi. Deux créatures, tout droit nées des flammes noires du plus maléfique des feux, pénétrèrent la pénombre, puis la clarté dansante des torches. Et ce fut comme si la forêt s'était mise à pleurer, comme si la lumière s'était mise à croupir, comme si la vie elle-même s'était mise à mourir. Tout se précipita, tout se mélangea, sentiments, sueurs, froid et raison. Tout ne fut plus qu'une glaise putréfiée dans le creuset du chaos. La voix résonna dans ce déluge, celle qu'il avait entendue furieuse puis craintive, déchira les ténèbres, déchaînées et vindicatives. Des hommes allaient tomber. « Maintenant, choisissez votre camp !» La forêt rugissait par sa bouche. Il regarda le grand cornu, mais son choix était déjà fait.
Il était depuis cette marche interminable où Girion était tombé. Il était depuis ces nuits dans les geôles, ces nuits déchirées des cris de ses amis torturés. Il était depuis ce soir où il vit un vieil homme affamé et meurtri se relever tandis que d'autres repus s'agenouillaient. Il était enfin depuis que le regard du maître avait violé le sien. À vrai dire, très peu eurent à le faire, car l'ennemi fonçait droit vers le cristal, et il leur eût fallu briser les rangs et s'exposer pour fuir ou rallier l'autre cause. Certains hommes allaient entrer dans l'héroïsme parce que la retraite était impossible. Le tambour se tut, le temps se figea, comme si les opposants venaient d'en voir au-delà, comme si les corps et les visages de ces corps leur étaient apparus. Il vit son sang sur la mousse du bois, sa paume était profondément entaillée, leurs paumes l'étaient toutes. Il lui sembla un instant que les guerriers étaient redevenus des guerriers, que les hommes prenaient conscience de ce qui se préparait. Il regarda à ses côtés et vit une jeune femme en côte de maille. Sa chevelure sombre lui tombait sur les épaules et à son grand étonnement elle souriait. Elle revit sa vallée, sa cascade, son camp et les gens qui y vivaient. Tant de choses s'étaient produites depuis. Tant de frères étaient morts, tant de souffrances, tant de douleurs. Il fallait que cela cesse. Le choc fut terrible. L'armée du Nord exhortait, piquait, coupait, hachait et tripait tout ce qui lui était apporté. Le second sang coula, et bientôt cris et douleur et de rage vinrent s'y mêler. Ce que l'on vit ce soir-là fut ahurissant. Les orques se bousculaient pour venir s'empaler sur les lames qui s'hérissaient devant eux. On eût dit qu'ils craignaient plus les deux démons qui évoluaient dans leur rang que la multitude de colons qui eurent donné leur vie pour que la forêt l'emporte, et ce faisant en eurent ôté quelques-unes, somme toute moins justifiables. Celui qui se tenait devant lui devait le dépasser de deux têtes. L'écume lui sortait de la bouche, ou plutôt de la gueule, car les dents qu'elle renfermait avaient la couleur du soufre. Il portait des peaux pourrissantes, et les bras qui tenaient son épée égalaient l'épaisseur des bûches que l'on flambe pour se réchauffer. Ils étaient monstrueusement puissants, si bien qu'à son avis, le colosse devait être capable d'arracher un bouleau comme on cueille le blé trop mûr. Mais il ne connaissait les orques que trop bien. Il attendit que le coup s'abatte, l'évita, et un genou en terre lui enfonça sa lame dans la panse jusqu'à la garde. Le monstre hurla de douleur, lâcha son arme et tenta de lui attraper la gorge. Il y parvint, mais ne put serrer l'étreinte, car plus il imitait de force, plus sa vie s'en allait. Leurs regards se croisèrent, et le Ganger crut y lire une incompréhension totale. Les yeux du monstre se fermèrent pour toujours. Il dégagea son épée des entrailles de la bête et se releva. Ses frères et sœurs faisaient front, les colons faisaient front, mais l'ennemi était de taille, et bientôt une brèche fut faite à sa droite. Deux orques monstrueusement puissants venaient de percer les rangs, et il n'eût fallu qu'autant de Ganjar pour les arrêter, si un stratège ne les avait suivis. Ils prononçaient des incantations inconnues, gluant l'un, pétrifiant l'autre, liquéfiant tout homme assez fou pour faire face au danger. Les colons reculaient, les orques avançaient. Il se précipita devant eux. Deux monstres affolés, deux orques immondes, tuant chacun avec deux haches, se préparaient à lui ôter la vie. Il allait mourir, cela ne faisait aucun doute. Quatre armes contre lui, c'était trois de trop. Il ne comprit pas immédiatement ce qui lui arrivait. Son sang coulait abondamment et son bras gauche le faisait atrocement souffrir, mais ses deux adversaires gisaient devant lui. L'un était totalement étripé, et la tête de l'autre gisait à un mètre de ce qui lui restait de corps. Durant un instant, il n'avait rien vu, la douleur lui avait fait perdre connaissance, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne réalisa pas ce qu'il s'était passé. Elle lui passa un bras autour du torse et l'aida à se relever. Ses cheveux sombres étaient maintenant couverts de sang, et il la reconnut. Elle était toujours vivante, mais son sourire avait fait place aux traits tirés de la rage. Elle lui aurait dit comment un des démons avait déchiqueté ses adversaires, et comment celui-ci
s'en était allé dédaignant un adversaire qu'il crut mort, mais elle n'eut pas le temps. Le démon se retrouvait à nouveau face à lui, face à eux. Il n'avait rien d'humain. Sa peau noire était transpercée de cornes, et il se tenait debout sur deux sabots. Il tenait pour seule arme une hache à deux tranchants qu'il maniait avec une telle aisance qu'on eût dit qu'il n'avait pas de poids. Son visage était celui d'une bête, une gueule renfermant deux rangées de crocs, des yeux de serpent, ça et là des poils drus sur la peau de son crâne. Il leva son arme d'un bras et l'enfonça dans le dos d'un colon se battant à proximité. Le bruit de l'armure éventrée, celui des os broyés, tant de sang. Il avait tué, comme s'il avait chassé une mouche. Il avait tué sans haine, sans raison, juste parce qu'il était né pour cela et qu'il ne cesserait tant qu'il serait en vie. Le Khanjar se précipita, tentant tant bien que mal de frapper avec un bras hors d'usage, et il y parvint. Sa lame pénétra la chair du monstre, juste au-dessus de son genou. La blessure était si profonde qu'il ne put retirer son arme de l'amalgame de chair, de muscles et de sang noir qui l'emprisonnait. Le démon hurla, plus de rage que de mal, lâcha son arme, saisit la lame plantée dans sa cuisse et le cou de son attaquant. Il serra son étreinte d'une main, tout en extirpant le morceau de métal de l'autre. La pression exercée était insupportable. Il tenta tout d'abord de lui faire lâcher prise, mais rien n'y fit. La terre se mit à tourner. Les formes devinrent floues et les bruits s'atténuèrent. Il ne pouvait plus respirer. Il mourait, il le savait. Dans un dernier effort, il sortit une dague de sa ceinture et tandis qu'il voyait une forme asséner un coup sur coup au monstre, se mit à planter la dague encore et encore dans le ventre du monstre. Le sang noircissait ses mains tant il piquait. Il était assis sur la mousse, du bois rouge par son sang. Ils étaient tous là devant lui. Galaad, Gorak, Sequoia, Hermine, Shira. Ils étaient tous là. Et lui semblait reconnaître des visages du passé. D'abord un, puis un autre et un autre encore. Il en vit un qui lui était inconnu. Et il sut. Il lui tendit la main.
gardien des rêves oubliés. D'où vient cette féerie ? Était la principale question qui avait taraudé tous les Brasélites au réveil de leur torpeur. Ils avaient vécu durant 4 lunes, sans l'once du moindre souvenir. On attribuait à cet événement incompréhensible des causes aussi diverses que farfelues. On parlait d'alignement des astres, des fouilles de la guilde, d'asservissement du prince ou encore d'interdits outrepassés. En réalité, personne n'en était certain. Ce qui était sûr par contre, c'est que durant ce laps de temps, la situation avait bien changé. Les maîtres de magie avaient disparu et seul Talis avait été retrouvé dans des circonstances singulières. De son côté, le Nord avait effectué une percée dans des lignes magiocratiques et Brazel était à nouveau menacé. Cette menace allait se concrétiser très rapidement. En la nuit du 6e soleil de la lune du Sphinx, les escouades du Nord s'infiltrèrent dans la ville et dérobèrent un mystérieux coffret. Les Brasélites ne purent opposer qu'une résistance de fortune face à ce groupe qui savait exactement comment contourner les défenses de la ville. Après ce revers, l'administration brasélite reçut l'ordre d'encourager les civils à quitter les lieux. Cette ordonnance déclencha le départ de la plupart des délégations des maisons et bon nombre d'habitants leur emboîtèrent le pas. Ceux qui restaient allaient devoir défendre la ville contre l'envahisseur. L'espoir revint lorsque la ville s'ouvrit pour accueillir un millier de miliciens. Menés par le Siridar Crescens, Izima Seldas et plusieurs chevaliers du Loup d'Argent, ceux-ci commencèrent à organiser la défense de Brazel et des environs. Les étendards magiocratiques flottaient fièrement sur la petite ville forteresse, et la recouvraient d'un mantel pourpre et noir. Les anciennes autorités de Brazel avaient été chargées d'investir les profondeurs des galeries, et personne, hormis les chefs de l'expédition, ne semblait savoir quel en était le but exact. Quelques miliciens supplémentaires furent affectés à la sécurité des savants et des volontaires qui allaient pénétrer dans ce qui avait été décrété comme un territoire n'étant pas régi par les lois magiocratiques. Cette permissivité inhabituelle allait donc permettre aux responsables de la mission d'utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin. Certains laissaient déjà entendre que cette latitude se ferait au mépris des conséquences. Dans la date du 14e soleil de la lune du Sphinx, 3 soleils après l'arrivée des renforts, que les éclaireurs de la milice rapportèrent d'importants mouvements de troupes ennemies convergeant vers Brazel. Le petit groupe abandonna la défense de sa ville pour s'enfoncer dans les méandres ténébreux de ce lieu qui avait nourri les rêves les plus fous. Durant leur descente, l'angoisse ressurgit. On pensait à l'ennemi qui avait dérobé des informations capitales sur cet endroit, des pouvoirs dont disposait le prime légat d'Amion, de l'inconnu que recelaient les entrailles de Brazel et de la situation à l'extérieur. Personne ne savait quel signe d'argent arborerait les étendards pourpre et noir à leur sortie. En réalité, personne ne savait s'il allait ressortir. Cet épisode de Écho dans la nuit se termine. Il s'agissait d'un spécial Arcane, un jeu de rôle médiéval fantastique grandeur nature qui a commencé il y a 20 ans et s'est terminé il y a 10 ans. Et j'ai donc interprété plusieurs extraits et poèmes de sa mythologie, donc de l'imaginaire du monde dans lequel évoluaient joueurs et personnages non joueurs. Pour de plus amples détails sur ce monde imaginaire, historique dans l'histoire du jeu de rôle Grande Nature en Belgique,
Rendez-vous sur garou.org et sur la page Facebook de l'émission Écho dans la nuit pour les références des textes lus à l'antenne, ainsi que le lien vers le site, si ça vous intéresse davantage. Une heure, bientôt 1h03, je vous souhaite une semaine très fructueuse et je vous donne rendez-vous dimanche à minuit comme d'habitude pour un nouvel épisode d'Écho dans la nuit sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Dormez bien et faites de beaux rêves.